Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que ceux et celles que vous aimez vont bien. On entre directement dans le vif du sujet. Je continue à me déployer pour vous montrer et vous démontrer que Allah se montre et se démontre. On peut démontrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par le système al-mubin. Donc, on entre directement dans le vif du sujet, comme j'ai dit. Je prends des chiffres, les chiffres de 2 à 9. Je mets 23 puissance 2. Ça me donne ce nombre. D'accord? Ça me donne ce nombre, n'est-ce pas? Ok? 23 puissance 3. Regardez la formule. 23 puissance 4. 23 puissance 5. 23 puissance 6. 23 puissance 7. 23 puissance 9. Observez. Regardez le 63 à la fin. Observez le 63 à la fin. Parfait. J'applique le mode, c'est-à-dire le reste de la division de chaque nombre, par la révélation, le système al-mubin, la révélation, la durée de la révélation, l'âge de la révélation, l'âge de décès après l'accomplissement de la révélation. Le 33 accompagne le seul âge de l'Qur'an, qui est dans la sourate Al-Ahqaf, sourate 46, verset 15, 30, accompagne le 40 et le 30, c'est le nombre de nombres premiers dans le Coran de 1 à 113. Les nombres premiers ont une importance capitale dans mes études. Parfait. Donc, comme par hasard, ça nous donne le 73 premier en entrée de travail. 73, l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah, le 73, comme par hasard. Le 23, deux fois ici, parfait. La durée de la révélation. Et comme par hasard, ce 73 a comme rang 21. Le pointage se fait ici. 2 plus 21 égale à 23. D'accord? L'identité numérique d'Allah, l'identité numérique du programmeur, et le 2 plus le 21, 23. Parfait. Aussi ici directement, le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Regardez comment ils se sont posés directement. Le 21 plus le 23, ça donne le 44. Le 44 appelle le 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Regardez comment ils font ces nombres. Parfait. Donc, on arrive au total. D'accord? 77, là, qui finit le travail, attention, c'est pas n'importe quel nombre. Le 77, 114 moins 77 égale à 37. 77 moins 37 égale à 40. 63 avec le 40. Je répète, ce 77, 114 moins 77 égale à 37. 77 moins 37 égale à 40. Regardez la beauté du 63 ici. Observez, la somme ici c'est ça. 18 appelle le 61, le 83 appelle le 23, le 18 appelle le 61 pour former le 114. Nous allons le voir plusieurs fois, nous l'avons déjà vu. Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Le 23 et le 23, ce sont les deux 23 de l'identité numérique d'Allah. 69 plus 60 égale à 129. Quand tu fais le total des deux colonnes de l'identité numérique de le Coran, tu as 129. Mais vous n'avez rien vu. Observez maintenant. Observez. Ici, donc, ce gros total, d'accord? C'est la limite même d'Excel. Si je continue, ça va faire énorme. Donc, j'ai pris les chiffres. OK. La somme ici, OK. La somme ici, OK. Et la somme ici, OK. Cette somme ne me plaît pas beaucoup. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça, cette somme. Parfait. Parfait. J'applique, je divise ce nombre par la révélation. Ça me donne 72. Ce nombre-là, 500. Donc je fais 114 fois 5 moins le nombre. J'ai l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Parfait. Ça me donne 42. Pile poil, 72 plus 42 égale à 114. Parfait. Comme par hasard, le total ici, c'est 91. Phénoménal, non?
114 moins 91 égale à 23. Il faut toujours le mettre en jaune, lui. Mais tout est jaune maintenant. Le total ici, 13. Comme par hasard, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 égale à 91. D'accord? 23 plus 91 égale à 114. D'accord? Brillantissime, phénoménal, non? Regardez comment ils font ces nombres. Parfait. Maintenant, regardez, 91 moins 13 moins 6, qui est le rang du 13, égale à 72, pour confirmer. D'accord? Pour confirmer. Parfait. Maintenant, je reprends tout ça. Donc, ces nombres, nous les avons divisés par la révélation. Nous l'avons divisé, lui, par la révélation. Okay? Maintenant, nous allons tous les diviser par la durée de la révélation. Pour voir ce que ça donne. Lui, il n'est pas divisible par la durée de la révélation. On le laisse tranquille pour le moment. Donc ce nombre-là est divisible par le 23. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reste de la division. Le 528, le reste de la division, c'est 22. Le 91, le reste de la division, c'est 22. Ça donne le fameux 44 du début. 21 plus 23. Le 44, appel de 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Pourquoi tu n'as pas utilisé le 13? Murmura-t-il, ce 13-là. Pas de problème. 44 plus 13, lui, donc la somme de tout ça, plus 13. 44 plus 13 égale à 57. 57 est la moitié du Coran. Maintenant, 44 moins 13 égale à 31. 31 est le nombre de nombres premiers du Coran. Et 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Attention, quoi que tu fasses, tu tombes sur les nombres. Le 57 est la moitié du Coran. Parfait. Pourquoi tu n'as pas utilisé le 6, le rang du 13? Aucun problème. 44. Plus 13, plus le 6, le rang, 63, le décès de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il a accompli le travail, le décès est arrivé. Parfait. Le 63, il s'est pointé ici. Vous allez le voir et vous allez le revoir encore. Parfait. Le 63, c'est un nombre d'Al-Mubin, donc le décès de Mohammed. Je reprends encore tous ces nombres. Je les reprends tous. Vous allez voir comment ça pointe. Le total de ces nombres, regardez, la somme totale de ces nombres égale à ce nombre. Nous l'avons vu ici, regardez-le. Le voilà. D'accord? Le total ici. Parfait. Donc, je les prends tous. D'accord? Je les prends tous et je fais leur total. Je leur somme. Parfait. Regardez bien le 18. Le 83, le 23, le 23 et le reste. Observez bien. J'applique maintenant l'addition 1 de son nombre. J'additionne tous ces chiffres. Ça me donne 53. Je fais l'addition 2. 5 plus 3 égale à 8. Ça me donne 61. 53, cherchez le 61 pour former 114. 53 plus 61 égale à 114. Je reprends ce nombre. J'applique la fameuse méthode. Je divise par la durée de la révélation. Et je divise par la révélation. Et si j'ai le reste de la division, et si j'ai le reste de la division, 31, 44, moins 13, 31, parfait. 31, 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, je prends, lui, c'était un grand nombre. Maintenant, et qui a donné rapidement le 72, d'accord? Il n'est pas divisible par le 23, il est divisible par le 23 directement. Maintenant, je prends ces nombres qui sont petits, ces trois-là, d'accord? On va les prendre pour les entendre. Regardez bien. 528, 91, 13. Comme par hasard, la somme égale à 632, le décès de Mohammed. Wikipédia nous raconte qu'il est mort le 8 juin
632. Le 8 juin, 632. 6 plus 2 égale à 8. Le 6, 8 juin, 632. Regardez la particularité de ce nombre. 632. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. La somme égale à 15. 15 est le rang du 47. 47, c'est Sourate Mohammed dans le Coran. 47 moins 15 donne 32. Les diviseurs du 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32, comme par hasard, la somme est 63, l'âge du décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 15 plus 47, c'est égal à 62, ce 62 qui s'est posé ici. Maintenant, regardez bien. 632, on lui applique la même méthode. On divise par la durée de la révélation et on divise par la révélation. Ça nous donne 11 ici, ça nous donne 62 ici. 11 plus 62 égale à 73. Rappelez-vous ce 13, ce nom particulier. Regardez, le seul nombre premier de toute la bande ici. Tous ces nombres-là, le seul nombre premier, c'est le 13. Nous l'avons isolé ici parce qu'il n'est pas divisible par le 23. D'accord? Il s'isole et regardez ce qu'il fait. Le 13 a comme est le rang du nombre premier 41. D'accord? 73 plus 41 égale à 114. Ici en plus, l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah. Observez. 73, 41 égale à 114. Tout ça, c'est le hasard, non? Tout ça, c'est le hasard. Maintenant, regardez bien. Ici, vous avez vu que si je divise ce nombre par 23, il n'y a pas de reste de division. C'est que ce nombre est divisible par... Et que ce nombre est divisible par 23. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reste de division. Pas de problème. On le prend, ce nombre. On l'observe bien. On voit bien le 18 qui appelle le 114, qui appelle le 61 pour former le 114. Et nous observons le 83 qui a comme rang 23. Nous avons les 23, 23, c'est la durée de la révélation, et ce qui sont présents dans l'identité numérique d'Allah, parfait. Et nous avons 69 plus 60 égale à 129. 129, quand tu fais le total des deux colonnes du Coran, c'est égal à 129. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Parfait. Observez maintenant ce qui va se faire. On prend ce nombre. Puisqu'il est divisible par 23, on va chercher la partie entière de ce nombre quand on le divise par 23. D'accord? Donc ce nombre-là, regardez bien, je cherche la partie entière de ce nombre quand je le divise par 23. C'est-à-dire qu'il y a combien de 23 dans ce nombre? Il y a ce nombre-là. D'accord? Si tu divises 23, on le fait égal, ce nombre divisé par 23, égal, alors regardez bien, 81, 87, tout ce nombre. Parfait. Donc je le prends et je lui applique la même méthode pour voir ce que ça va donner. Je vais le suivre jusqu'au bout du bout. J'applique la même méthode. Donc j'applique le reste de la division par la durée de la révélation et j'applique le reste de la division par la révélation. Comme par hasard, ce nombre, lui aussi, il est divisible par 23. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reste de la division. Et comme par hasard, si je divise ce nombre par 114, le reste de la division égale à 18. Le fameux 18. Regardez-le bien. 18 appelle 61. 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 79 moins 43 égale à 36, comme par hasard. 22 plus 14 égale à 36. Pourquoi 36? La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Donc on a dit la beauté de la chose. 79 moins 43 égale à 36. 22, les rangs, la somme des rangs. 22 plus 14 égale à 36. Maintenant j'ai plus ici, je vais faire moins. C'est le moins qui s'impose. 79 moins 22 égale à 57. J'ai moins ici, c'est le plus qui s'impose. 43 plus 14 égale à 57. Regardez la beauté. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. D'accord? 57 plus 57 égale à 114. Le 18 avec le 61, ils ont collaboré à merveille avec une intelligence révérentielle
pour formule 114. Maintenant, ce nombre, on a bien vu qu'il est divisible par 23, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de reste de division. Donc, on va poser la question sur le quotient. C'est-à-dire qu'il y a combien de 23 dans ce nombre? Regardez bien, égal à, je divise ce nombre par 23 et ça me donne 35, 59, 59, 0, 24, 0. D'accord? 35 directement, il appelle 149. 149 moins 35 égale à 114. Ce 59 qui s'impose. Rappelez-vous comment il fait pour fabriquer le 23 et le 114. D'accord? Donc on prend ce nombre et on lui applique la même méthode. D'accord? On lui applique la même méthode, exactement la même méthode. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Comme par hasard, 1 plus 90 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Ce 83 appelle le 23. Et le 23, regardez comment il s'est imposé. Parfait. Maintenant, tu me dis, tu as fait plus, on va faire moins. 90 moins 1 égale à 89. Comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 24. 89 plus 24 égale à 104, 113. 113, comme par hasard, est le dernier nombre premier du Coran. 113 est le 30e nombre premier du Coran. 113 moins 30 égale à 83. 83, regardez-le, nous avons eu le 18 et nous avons eu le 83. Et le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Qui a codé tout ça à ce point? Par Allah, qui a codé tout ça à ce point? Tu aurais pu me dire aussi, ce 11 et ce 20, pourquoi le 11, tu l'as pas ouvert? On l'ouvre. Il a donné 31. On l'ouvre. On va arriver à quoi? On va arriver à notre 11. 11 donne 5, puis 3, puis 2, puis 1. C'est 11. Donc, 31 plus 11 égale à 42. 42 plus 41 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ce 42 aussi, le 42 qui apparaît ici, c'est lui aussi. C'est un pointage vers ces deux 72 qui ont apparu. 72 et 42. D'accord? 72 plus 42 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà pensé que c'est possible? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qu'Allah guide les non-musulmans. Et qu'Allah guide les musulmans pour qu'ils diffusent auprès des non-musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.